Rembrandt Show to host tonight, we got our man, Bobby Pablo! Charmant aujourd'hui, prêt à recevoir les candidats qui vont s'affronter dans quelques minutes seulement. Vous verrez ici sur ce plateau des artistes, des hommes de télévision, des hommes de culture, enfin bref, des personnes au quotidien qui vous entretiennent, mais dans un registre différent dans ce programme. Mesdames, messieurs, accueillons tout de suite pour votre bonheur notre première invité. Servez-vous du riz, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sauce, voici Caragor. On gardait le morceau de viande pour la fin. Et on n'avait jamais compris que le riz c'est la sauce. Et toi, tu as dû le rappeler. Et aujourd'hui, c'est un anecdote qui revient. Bonsoir, François, comment tu vas? Ça va. Bienvenue dans le programme. Thank you. Ah bon? You're welcome. Thank you. Ah d'accord. Ça va? Come on, we're in. Come on, Spanish. D'accord. So that. Okay. Can speak in English. Yes. Yes, go ahead. Yes. Non, j'ai go ahead, c'est que va avec la tête. Yes, I'm doing. Mais écoute, non, attends. C'est pas hier, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ah, nous sommes là. D'accord. Écoute, le principe de cette émission, donc le premier invité, il faudrait que tu aies dans cette une star, regarde s'il te plaît. Tu vas commencer, tu vas choisir une boule, et c'est cette boule qui va déterminer l'équipe dans laquelle tu vas évoluer aujourd'hui. Vas-y, star, regarde. Choisis. C'est bon, attends. Mister Calaga, premier invité et premier à être chez l'équipe violette. On va accueillir, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, notre deuxième invité. Tous les jours, le mec est grand de taille, super déjanté. Tous les jours. La belle voix sur les ondes de Afrique de Radio, voici Francis Laplace. Merci de prendre place.
Merci de prendre place. Mesdames, messieurs, ça commence très bien. C'est pour dire qu'on aura une émission déjantée avec des invités. On va accueillir tout de suite notre troisième invité. No complex. The guy is great. Il nous rappelle la rumba venue depuis l'autre côté. Voici Soukous Makou. Ça va, ça va, bonsoir, Philippe.
Pardon? Tu m'as dit la vérité, je suis déjà là. Attends, pourquoi tu m'as dit pas en police? Attends, c'est la même chose. Non mais attends, Abjé, c'est quoi ce truc là? Mais messieurs, je veux vous virer ici, mais vous parlez à ma fiancée comme ça va bien ou pas? Dis, tiens, bien, regarde. Tiens, regarde ça, pas bien. Là, je te parle, Bon, Abjé, ça va? Ça va. Ben, très heureux de t'accueillir. Merci, le plaisir est partagé. Non, attention, le plaisir. Pourquoi? C'est toi et moi. Ben écoute, tu vas t'avancer dans cette urne, choisir une boule sans regarder. Donc sans regarder, attends, j'ai... Waouh! La course des enfants, c'est le matin. Allez! Ça fait 3 contre 2. Mesdames, messieurs, on va accueillir tout de suite notre 6e candidat. Communiquer, c'est son domaine. Elle n'a aucun tabou, aucune limite. Voici Liliane. Un peu et qu'on se lâchait sur Sweet Times avec Paris. Non,
un complot. Yes. Allez, non, je pense que la décision ne peut pas la sauver. Mais merci de rejoindre. Ah oui, c'est lui, je suis là. Oui. Ah, mais c'est génial. Ah, du coup, elle a l'air déçue parce que Moussa, genre, elle a l'air déçue. Ah, mais non, pas du tout, pas du tout. Elle aime pas. J'aimerais dire que c'est réciproque, ça sera un peu difficile, mais je t'aime aussi. Voilà, je l'ai dit. Eh oui, le temps pour Panini de s'installer, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, on va accueillir notre dernier invité, c'est-à-dire notre 8e, c'est tout. Nous sommes tous fans de sa voix, des belles mélodies, avec ses coups d'oreilles enchantés, voici Nono Flavie. Rejoignez-nous sur la page Facebook 8 pour un défi ou sur Twitter avec le hashtag HPUD. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.maimarabou.com. Écoutez, pour me suivre, c'est simple, notre page Facebook, 8 pour un défi, ou alors sur Twitter, hashtag HPUD, ou encore pour me suivre, vos réactions au 91-93. Messieurs, mesdames, alors, capitaine de chaque équipe, nous commençons par vous. Bien évidemment, hein. Oui. Et on n'applaudit pas. Et puis, l'équipe, c'est les gars parce que nous ne sommes pas là.
Vainqueur. Les vainqueurs, MG, Capitaine. C'est pas fini. Vous la coupez, mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas fini. Allez-y, allez-y. Vous voulez montage, je crois. Nombre 2. Le vainqueur, allô. Attention, nous avons les vainqueurs avec MG en capitaine et le prix de allemand Ayo. Até. Allons-y. Bonsoir, Bobby. Bonsoir. Oui, capitaine de cette magnifique équipe qu'on va appeler Sweet Bonheur. Nous aurons les suites bonheur contre les vainqueurs et tout de suite la première rubrique, assaut, c'est quand bien. Assaut, c'est quand bien, il suffira de nous donner plus ou moins le prix exact de chaque denrée en ligne via la diaspora. Voici, attention, soyez attentifs. Première image. Combien coûte cette bouteille d'arachide? Puis, non. Terminé. Nous commençons. C'est l'équipe des vainqueurs qui a donné le bip. Nous commençons par l'équipe des vainqueurs. Oui. 1500 pour les vainqueurs. Validé. 900 pour les suites bonheur. Exactement. Suite bonheur, 900, 1500 pour les vainqueurs. Et pour nous, 1000 francs CFA et le point. Combien coûte un kilo de viande de bœuf avec os? Combien coûte un kilo de viande de bœuf avec os? Donc, terminé, nous commençons par l'équipe des suites bonheur. 2100 francs selon Liliane. Et pour 2500 pour l'équipe des vainqueurs et pour nous 2700 francs CFA. Le public, on ne souffle pas s'il vous plaît. Combien coûte cette boîte d'arachide? Terminé. Réponse, nous commençons par l'équipe des vainqueurs. 200 pour l'équipe des vainqueurs. Et pour l'équipe des suites bonheur? 175 pour l'équipe. Et pour nous, 100 francs CFA. Ce morceau de kaolin. Un morceau de kaolin. Le public, on ne souffle pas s'il vous plaît, sinon c'est censuré. Ok, terminé. Nous commençons par l'équipe des suites, l'équipe suite bonheur. 25 francs CFA. 25 francs. 25. Pas 1. Non, mais comment ça vous plaît? Vous n'êtes pas sûr que c'est le montant exact. Et pour nous, un morceau de kaolin coûte
25 Français. Allez, zéro. Bon, apparemment, les femmes aiment beaucoup le caramel. Il paraît que ça a des vertus, Panou. Réunissant des enfants dans le vin. Non, je ne dis pas. Il dit pas du monde, il vient. Je crois que vous piquez dans l'avertissement là. Vous piquez dans l'avertissement. Bon, bien, c'est pas la mise, ma cousine. Bon, alors, qui peut nous en dire plus sur le caramel? Bah, le caramel a des vertus, effectivement. Moi, j'utilise en fait généralement le caramel, c'est de l'argile pour bien préciser, comme masque facial. Et pour les gens qui y mangent J'aimerais bien le prendre à la place, mais je suis pas. Ben moi j'ai entendu que certaines femmes disaient que quand elles sont enceintes, elles aiment bien prendre le caramel pour que l'enfant sorte un peu comme Michael Jackson. Une en particulier que tu connais? Un enfant comme Michael Jackson. Voici la prochaine image. Dans bien toutes, ce tas de pamplemousse. C'est des pamplemousses. Vous avez pamplemousse? Yes. C'est vieux comme pamplemousse. Quand bien écoute, ce tas de pamplemousse. On donne la pamplemousse par rapport au ciel. C'est ça. Quand bien écoute, ce tas de pamplemousse. Attention, nous commençons par l'équipe des vainqueurs. Bon, alors, le taureau va se lancer dans la haine. Je pense que ça doit être dans les 500. 500 pour l'équipe. 500 pour l'équipe. En fonction de la saison. 500 pour l'équipe des vainqueurs. Et 1000 francs. 1000 francs pour l'équipe Suite Bonheur. Et pour nous, 500 francs. Cette première séquence, nous avons 3 points pour l'équipe des vainqueurs et 3 points pour l'équipe. Avant la prochaine rubrique, je vais demander à chaque équipe de sélectionner 2 danseurs parce que dans un instant ce sera la Costa. Donc, autant pour vous de sélectionner 2 danseurs qui iront commencer par l'équipe. Oui. Et on commencera par l'équipe Suite Bonheur juste après ceci. Yeah.
les deux défis. On le saura tout de suite. Attention, candidat, équipe des vainqueurs en place. Merci, Carl-Alain. François, ça va? Ça ira. T'es ready? Ouais. Mesdames, messieurs. Tu me demandes si je suis là? Non, je veux danser, je peux pas dire. Oui, oui, oui. Mesdames, messieurs, voici le candidat, l'équipe des vainqueurs. Plus musique!
Rejoignez-nous sur la page Facebook 8 pour un défi ou sur Twitter avec le hashtag HPUD. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.maimarabou.com. Vous êtes en direct avec nous, le programme c'est 8 pour un défi. Pour nous suivre, notre page Facebook 8 pour un défi et sur Twitter, notre hashtag HPUD 8 pour un défi. Et pour nous suivre également vos réactions au 91-93. Et dans un instant, ce sont les résultats de la COSA, parce que j'ai vu les gars Francis avec machin, et puis Carignan dans un décidement. Les gars, ils sont. Bien, on va aller très rapidement. Vous avez le droit d'applaudir lentement. Si vous pensez qu'ils ont mieux dansé, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, c'est parfait, c'est la démocratie. Nous sommes d'accord? Bien, si vous pensez que c'est l'équipe. Merci pour le prêtage de mots. Si les vainqueurs ont vaincu, je vous prie d'applaudir très fort. Chaque équipe.
4 points pour les vainqueurs. La danse de Ménage. Merci. On va faire appel à votre intellect parce que ici ce sont les ménages qui entrent en jeu. Il faudra réfléchir pour pouvoir donner la bonne réponse. Et regardez attentivement le petit écran et la première question va apparaître. Le temps. Dans la circulation, que signifie feu orange? Petit A. Dégagement rapide ou arrêt. Petit B, arrêt pour passage des piétons. Petit C, dégagement rapide ou klaxon. Petit D, klaxon et passage poids lourd. Attendez, doucement. Top réponse. Nous commençons par l'équipe des vainqueurs. Réponse A. Réponse A pour l'équipe des vainqueurs. Et pour l'équipe. Idem. Réponse A. Et pour nous également, c'est la réponse A. Parce qu'il faut rappeler que lorsque le feu orange apparaît, si les conditions sont bonnes, il faut pouvoir passer. Dans le cas où c'est pas bien, il faut s'arrêter pour. Voici la deuxième question. Comment s'appelle l'équipe vainqueur des championnats de football du Cameroun en 2014? Petit A, Coton Sport de Gabois. Petit B, Cameroun de Yaoundé. Petit C, Caïman de Douala. Petit D, Sable de Batier. Le public ne souffle pas, s'il vous plaît. Top réponse. Nous commençons par l'équipe Sweet Bonheur. Ah, Coton Sport de Gavois, l'équipe des vainqueurs. Ah, également, et pour nous, c'est le Coton Sport qui a été champion du Cameroun. Mais il a baillé, il n'a pas. Troisième question. Qui fut le premier homme à marcher sur la Lune? Lance Armstrong, Jack Armstrong, Neil Armstrong, Robert Pitt Armstrong. Donc, réponse, nous commençons par l'équipe des vainqueurs. Réponse C. Réponse C. Neil Armstrong. Et pour l'équipe suite. Pour nous également, c'est C. Et un point pour chaque équipe. Comme lui, Armstrong, Canada aurait dit que c'est lui. Et je rappelle que c'est. Et à quel moment rigole alors? Et je rappelle que c'était en 1969. Attention, tout de suite, la prochaine question. Laquelle de ces villes est considérée comme le grenier du Cameroun? Loup, Djombé Penja, Edea ou Melon? Attention. Béa, non, c'était. C'est pas Béa. Non, on peut faire.
Nous, les deux équipes, on se met d'accord. Nous commençons par la réponse, nous commençons par l'équipe. Les bien évidemment, c'est le bonheur. Donc, la réponse B. Est-ce que B, c'est le bonheur et pour moi également, c'est B. Un point pour ça. Sixième question. Que signifie le cycle GV? Digital, 27e bis. Digital, vidéo disque. Bis. Donc, et ventre d'or. Be like Boven, like Bonheur. Nous commençons par l'équipe Sweet Bonheur. Bonheur, c'est Bonheur. Mais comme bisou. B pour l'équipe. A pour nous. A pour l'équipe. Et pour nous également, c'est A. Pour l'équipe suisse. Thank you.
Et même que. Et il y avait de la dignité quand même. Que c'était 60 ans par 50. Ouais, bah d'accord, pour 50 ans, on s'en fout. L'année prochaine. Voilà. Vous qui regardez à la maison, c'est des parents, quoi. La prochaine. Le chemin de succès n'est pas du tout facile. Comme pensait l'homme paresseux. Après mon constat, la voiture a été fabriquée pour suivre la route et non la route. Concertation, 3 secondes, attention. Non. Il a dit We don't know.
Et nous donnons plutôt le nom de patience d'abattre. Et nous donnons plutôt le titre l'amour. On préfère donner le titre l'amour. Rejoignez-nous sur la page Facebook 8 pour un défi ou sur Twitter avec le hashtag HPUD. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.maimarabou.com. Merci, voici la prochaine. Carrément, tu es le seul à pouvoir regarder l'image qui va apparaître sur le petit écran et par les gestes, tu devras décrire ce que tu auras vu et aux autres et ainsi de suite pour le reste, jusqu'à la dernière personne qui devra donner la réponse.
Ça marche. Ok. Ça marche. Et là, t'es sûr que tu as compris Il marche. Et attention, top. Silence. Il marche. C'est bon? Ok, on le souffle pendant le public. Passez un petit peu autour. Et vous, de ce côté. Non, de ce côté. Si, voilà. De côté. Voilà. Alors, on y va. Là. On y va. Par les gestes. On ne parle pas. Vous le fermez. Par les gestes. Attention, je me trompe. Non, non, on n'écrit pas. On n'écrit pas. On parle des gestes. Parle des gestes. Pourquoi je me mets? Je vous C'est bon? Hassan? Pour. Lydia. Oh, parce que. Ah non, quand même. Voilà. Ninja. Ninja. Voilà. 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 C'est bon? Lilian compagnie. Après l'entraînement, je suis fatigué. Allons-y. Thank you.
attention, voilà la réponse. Oui. Oui. Belle, à
équipe suite bonheur. Bon, j'avoue que c'était pas évident, quand même. Hein. Mais beaucoup de mérite. Hein. Bravo. On verra ce que vaut l'équipe des vainqueurs. Merci de nous rejoindre ici. Voilà, vous vous regardez. De ce côté. Voilà. Attention, concentration, il bat. Ok. C'est bon. D'accord. On y va. Nono, tu te retournes. Se pose. De l'autre côté, Francis. Allons-y. Merci de nos Flavie pour ce pouce pas cool. Oui, Nono. Alors Nono. C'est bon? Ok, je vous pose ma parole pour Francis. Terminé. Réponse. Il s'agit de qui? Krasnika. Non. Attention, voici Krasnika. Angélique qui dort. C'est pas bon, je pensais à elle. C'est pas bon, à la suite, la suite. On change. On a quand même trouvé que c'est une artiste. D'accord, c'est bon. Vous retournez. MJ, vous regardez l'écran, Nono. Attention, image. Merci. Nono pour ce pouce, tu te retournes. Francis, de l'autre côté, MJ. Regarde-moi. Bon, allons-y, Nono. Attention, je suis à tous. Ancien, prochaine image.
Ok. Allons-y. On ne parle pas. La pub.
Rejoignez-nous sur la page Facebook 8 pour un défi ou sur Twitter avec le hashtag HPUD. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.maimarabou.com. Toujours en notre compagnie, nos vainqueurs et notre équipe de Bonheur, le Suite Bonheur, deux équipes qui s'affrontent de manière conviviale. Il faut rappeler, nous sommes pratiquement à la fin de ce programme et pour l'instant nous avons 12 points pour les vainqueurs et 10 points pour les suites. On continue la prochaine rubrique, c'est le pouce-tir. C'était effectivement la séquence de Poussillon et c'est chacun de vous viendra ici pour la petite démo. Je vous rappelle le principe du jeu. Il faut pouvoir mettre le pion dans la première case, voilà, et y aller avec un pied. Donc pousser, continuer, ainsi de suite. Voilà. Bon. Fais la bande quand même. Sinon, on peut faire le monde. Oui. Oui, non, on fait le tour. Donc, vous allez là, vous poussez avec sur un pied. Dès qu'on va entrer dans la case, c'est sur un pied, ainsi de suite. Ici, vous avez le droit de mettre les deux pieds dans ces deux cases. Et vous revenez là avec un pied, et vous ressortez. C'est bon? C'est bon. Donc, le pion, on n'a pas le droit de toucher la ligne. Le ciel. Il faut pousser. Le ciel, c'est quand on n'ira pas au ciel, quand on n'a pas le temps. Mais si, si, on jette une fois. Vous faites le tour? Non. Il faut pousser. Lignale, j'explique. Dès qu'on a jeté là, sur un pied, on pousse le pion. Là, si on le pousse également, c'est nouveau. Et là, on a le droit de mettre les deux pieds sur cette case également. Et quand on revient là, c'est sur un pied. On pousse toujours sur un pied et on ressort sur un pied. D'accord? Et je peux vous dire ça, c'est tout l'équipe. Tout le monde passe pas. Allons-y. Qui commence? On laisse l'honneur, non, pas toujours à nous, on laisse pas toujours à nous. C'est nous qui venons de l'honneur. C'est pas nous. Bon, vous avez un retard à rattraper, allons-y. Champion, champion, champion. Terminé. MG.
Écoutez, c'est fantastique, c'est innovant. Ça change tout ce qu'on a l'habitude de voir et de faire. Aujourd'hui, on est fatigué des émissions de télé, cravate au cou, trop de sérieux. C'est bien pour la détente. C'est 8 pour un défi. Écoutez, vous ne savez pas ce que vous perdez quand vous n'êtes pas sélectionné. Très belle émission. Moi, je me suis éclaté. Alors là, je me suis éclaté à fond. C'était super, un seul mot. Bravo encore, bravo. Et vraiment, c'est rare. Je suis ému au point où je n'ai même pas les mots pour... vous expliquez clairement ce que j'ai ressenti, quoi. Appelez-moi quand vous voulez, moi je viens. C'est Lana Piam. C'est un partage d'émotions et de joie. Donc forcément, à la fin, on ne peut qu'être content. Je serai toujours fidèle à votre émission et puis je vous suivrai de renavant. C'est divertissant et puis c'est bon, c'est intéressant.
Et puis, j'ai aimé quoi. Donc, bon, c'est-à-dire, j'ai aimé.